160 000 mineurs victimes d'inceste en France chaque année. Pour les protéger, la CIVISE, la Commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, publie aujourd'hui ses préconisations. Bonjour Louise Salé. Bonjour. Vous avez eu accès à ce rapport, on y découvre 20 recommandations pour mieux accompagner les victimes d'inceste. Alors la première mesure forte s'adresse aux médecins pour qu'ils signalent obligatoirement tout enfant victime de violence. Aujourd'hui, les médecins peuvent être accusés de briser le secret médical. Ils risquent parfois des sanctions disciplinaires s'ils révèlent qu'un de leurs patients présente des signes physiques suspicieux ou bien leur a confié avoir été abusé sexuellement. La deuxième mesure vise à modifier le code pénal pour permettre aux victimes de faire appel devant la cour d'assises. C'est aujourd'hui impossible. Si la culpabilité de leur agresseur n'est pas reconnue, elles n'ont aucun moyen de contester cette décision. Troisième mesure, enfin, l'autorité parentale doit être suspendue lorsqu'un parent est poursuivi pour inceste. De nombreuses mères ont raconté à la commission devoir partager la garde de leur enfant avec un père soupçonné de le violer. D'autres préconisations sont à mettre en œuvre plus généralement dans la société. Mieux former les professionnels en lien avec les enfants pour qu'ils sachent les écouter, réagir au plus vite et aussi mieux accueillir dans les commissariats les petits qui se confient sur ce qu'ils ont vécu. Louise Salé du service Société d'Europe.